En plein cœur du Pacifique, situé à 1400 km au nord-est de Tahiti, l'archipel des Marquises est le plus septentrional de la Polynésie française. Seules 6 îles sont habitées sur les 14 qui composent l'archipel. Histoire d'île vous emmène sur les deux principales îles des Marquises, Nuku'iwa et Iwaoa. Aux Marquises, il n'y a pas de barrière corallienne protectrice ni de lagon apaisant. L'océan s'écrase sur les roches torturées du rivage. L'histoire de ces îles est aussi dure que son environnement sans concession. C'est il y a un peu plus de 2000 ans que les premiers habitants, des guerriers navigateurs, sont venus des îles Tonga et de Samoa. Tefenua Enana, terre de l'homme, c'est ce nom qu'ils donnèrent à leurs îles. Guerriers redoutables, organisés en chefferie, craints par tous les autres archipels, les Marquisiens ont survécu aux invasions, à la colonisation et aux épidémies. La dernière, redoutable, une épidémie de variole en 1863, n'a laissé que 635 survivants sur les 12 000 habitants. Aujourd'hui, 8 000 Marquisiens vivent dans de petits villages au fond de vallées encaissées. Nous sommes sur l'île de Nuku'iwa, dans le petit village de Hatiheu, dans l'un des seuls restaurants de l'île, celui d'Yvonne Katupa. Yvonne a 62 ans, elle est née ici et a eu 2 enfants. Son restaurant occupe une partie de ses journées lorsque les rares touristes viennent jusque-là. Elle leur offre une cuisine à base de poissons et de produits locaux. Aujourd'hui, l'évêque des Marquises fait honneur à sa cuisine. Il a fait 2 heures de piste avec ses amis pour rendre visite à Yvonne. Il faut dire qu'Yvonne est un personnage connu bien au-delà de son village. Depuis 1985, tout le monde appelle Yvonne Madame le maire. Yvonne est maire de Hatiheu, comme son époux, décédé, l'avait été avant elle pendant 25 ans. Une Madame le maire du bout du monde qui prend son rôle très au sérieux pour le bien de sa communauté. Voilà, on est dans la petite mairie de Hatiheu. On a construit 1989. Et je vous présente... mon secrétaire et ma police municipale aussi, qui m'aide. J'ai accepté d'être maire déléguée. Parce que c'est plus la moitié de population qui me soutient de prendre le relève de mon mari. Alors moi, j'hésite un peu, je ne voulais pas. Parce que la politique, je n'aime pas. Il y a ça dans la commune. Et puis je sais que c'est un travail pas facile, comme je travaille dans mon restaurant. Moi-même qui fais la cuisine, alors je sais qu'il y a 2 travaux assez importants. Les Marquisiens parlent beaucoup de l'avenir, le téléphone, l'électricité. C'est des années, les Marquisiens pensent beaucoup à avoir tout ça. Il y a des gens qui sont découragés, disent non, jamais, on ne va jamais avoir ça. Mais un jour, en 1986, ça commence le premier 86, l'électricité, pas le groupe. Après, pas longtemps après, il y a le turbine est fini, 86 même. Ça a été 24 sur 24. À tout le monde, et c'est content. Après, c'est mis le téléphone, la télé. Alors, tous les progrès arrivent un peu vite. Ce que je veux dans la fonction de maire, que j'aime bien, de développer le Valais comme il faut. Pour l'avenir de nos jeunes, de nos enfants plus tard. Pour Yvonne, priorité à la jeunesse afin d'éviter à tout prix son départ vers les grandes îles comme Tahiti. Un exode qui serait fatal à la survie de son village. L'école est bien remplie et même si parfois il manque quelques fournitures scolaires, les instituteurs, épaulés par Yvonne, donnent le maximum aux enfants. Yvonne, elle aussi, a ses grands travaux. Peu de moyens financiers, mais une motivation et une énergie communicative capable de déplacer des tonnes de pierres. Voilà, on est arrivé sur le site, ça s'appelle Hikoku'a. Ça fait 10 ans maintenant, c'est complètement dans la brousse. Et on a restauré. Maintenant, vous voyez là, elle est plus jolie par rapport à l'époque. Pour restaurer, c'est pas facile.
Les jeunes, ils ne savent pas bien. On a essayé de faire tout doucement pour placer les pierres. C'est un peu difficile. Vous voyez comment, là, avec ces gros blocs de pierre, on n'a rien pour faire, ni portique, ni engin. C'est à la main avec les pioches, paramines, les bois. Ça a été très, très dur les débuts. Il y a une partie, c'est tout à fait comme à l'époque, mais il nous reste encore à faire. Par exemple, cette partie là-bas, c'est encore les pierres tortues. On n'a pas fini de restaurer cette partie. Pour arriver bien, moi, je pense je ne peux pas terminer. Peut-être on peut travailler encore 10 ans, c'est encore pas fini, parce qu'il y avait 7 sites comme ça. Améliorer le confort de ses administrés, encadrer la jeunesse et renforcer les traditions du village, Madame le maire, loin des fracas politiciens, loin des tumultes du monde, sait que son principal combat consiste à ce que son village ne soit pas oublié là-bas par le reste des hommes. Aux Marquises, au détour d'une piste, sur un bord de plage, près d'une demeure, des statues taillées dans la pierre ou dans le bois semblent défier le temps. Ce sont les tikis. C'est aux Marquises que l'on trouve les vestiges les plus significatifs. Au carrefour entre l'art et la religion, les tikis sont des statues anthropomorphes généralement implantées à proximité des marae ou des meae. Les spécialistes pensent qu'ils avaient une fonction religieuse et symbolique, figurant des ancêtres divinisés ou des puissances protectrices. Au sud de Nuku'iwa, l'île principale du groupe Nord, se trouve la capitale administrative et économique des Marquises, Taiohae, et ses 1600 habitants. Un hôpital, la poste, un hôtel, la gendarmerie, une radio et des écoles sont ici regroupés. À Taiohae se trouve le CETAD, le centre d'enseignement technique où enseigne Damien. Damien Aturo est le plus grand sculpteur des Marquises. Il a fait un choix il y a quelques années, celui de partager son art avec ses élèves qui ont entre 6 et 12 ans. Aux Marquises, dès que l'on a 5 minutes devant soi, on sculpte. La sculpture, dès le plus jeune âge, est un don naturel, mais auparavant, il n'y avait pas d'école pour apprendre et se perfectionner. Il y a les parents qui ont demandé pourquoi pas on n'apprend pas la sculpture marquisienne. Parce que c'était leur patrimoine. Bon. Après, le principal, il était venu me voir, me proposer. Mais premièrement, j'ai refusé. Même deuxièmement. Parce que c'était plus le même. Enseigner, c'était pas les mêmes genres que tu es un sculpteur. Un sculpteur, c'était quelqu'un qui se concentre, qui crée, qui recherche. Enseigner, c'est autre chose. C'est le plus difficile. La sculpture est une école de patience et à Nuku'iwa, le temps s'écoule à sa juste valeur. Donner aux jeunes la possibilité, plus tard, de pouvoir vivre de leur art traditionnel, telle est l'ambition de Damien. On peut y arriver, lui il l'a fait. Son père voulait qu'il soit agriculteur, il est devenu sculpteur, le meilleur. Le soir venu, il nous a entraînés chez lui, dans son atelier. J'étais devenu sculpteur, enfin très jeune, à l'âge de 13 ans. Enfin, j'ai travaillé avec les anciens. C'était eux qui m'ont appris le secret, la technique. Parce que c'est très important, les anciens, c'était eux qui gardent, qui conservent le savoir. C'était un métier que j'ai aimé, premièrement, parce que j'ai aimé de travailler le bois, toucher le bois. Bon, premièrement, mon père me proposait que j'aille l'aider pour cultiver, savoir comment il faut cultiver.
En Polynésie, on ne cultive pas c'est comme ça. Et, enfin, il faut savoir le temps, la pleine lune. Bon, je ne suis pas intéressé. En 1989, le deuxième festival des arts des Marquis, on nous a proposé de faire chacun représente son chef-d'œuvre. Bon, je l'ai fait le mien. C'est deux guerriers qui se battent. Parce qu'on disait, les Marquisiens, ce sont des guerriers farouches. Non seulement ils te battent, même aussi ils te tuent, même ils te bouffent aussi, ils te mangent. C'était pour ça qu'on disait, les Marquisiens, ce sont les cannibales. C'était un travail à long terme. Bon. Il y a des gens qui m'ont proposé de le vendre. Bon, je n'ai pas encore envie de me séparer de mon travail, enfin, ce que j'ai fait. En plus des objets purement décoratifs, Damien crée aussi des objets utiles, des lances, des coupelles, des casse-têtes et même des selles. Bon, la selle, ce n'était pas vraiment d'original marquisien. Bon, les marquisiens y ont eu des chevaux, mais pour en avoir du sel, des selles, ils ne peuvent pas en avoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imité de le faire en bois. Même maintenant, si tu vas vers Taipivai, dans des districts de Taipivai, Hatiheo, tu voyais encore des gens qui vont casser le coupra, ils utilisent encore des selles en bois. Il y a un endroit où Damien aime venir se ressourcer, la cathédrale Notre-Dame des îles Marquises. Elle a été bâtie avec les pierres des 6 îles habitées de l'archipel. Damien y a passé 10 ans de sa vie. Il a réalisé là l'un de ses plus beaux chefs-d'œuvre, la sculpture du chemin de croix, taillée dans des troncs d'arbres transportés à dos d'homme. Des sculptures réalisées sans modèle, à l'inspiration. Dix ans de travail, 10 ans de patience et 10 ans d'amour pour son art. 10 ans d'efforts qui font de Damien l'un des sculpteurs les plus respectés du Pacifique. Quelle que soit leur beauté, parmi les îles de la Polynésie française, les Marquises sont certainement celles qui ont gardé leur authenticité. Sans doute parce que les touristes y sont rares. Ceux qui viennent jusque-là ne l'oublient jamais. Il n'y a que très peu d'années que la voiture est venue tenter de remplacer le cheval. Pas n'importe quelle voiture, seul le 4x4 peut circuler sur ces pistes incertaines. À Nuku'iwa, qui est malgré tout l'île principale, il n'y a que 2 km de bitume. Le reste est en tout terrain. L'occasion de vivre l'aventure dans des paysages grandioses et sauvages. Au détour d'un virage, il n'est pas rare de rencontrer, à l'état sauvage, l'autre moyen de locomotion qui vous regarde passer un peu navré par votre manque de maniabilité. Le cheval est le moyen de locomotion favori des Marquisiens. Tout le monde s'est monté. À la moindre occasion, on sort les selles et direction les vallées profondes. Nous sommes chez Coucou, un personnage haut en couleur, autoritaire et respecté. À 70 ans, il n'hésite pas une seconde à enfourcher son cheval. Aujourd'hui, Coucou a prévu d'aller chercher un autre cheval qu'il laisse vivre en liberté dans une vallée sur les hauteurs de Taiohae. Un cheval qu'il est le seul à pouvoir monter vu le caractère de la bête. Mais cette famille pour ses chevaux d'origine chilienne qui ont été introduits par du Petit Thouars, qui en offrit une 50aine au chef Yotete en 1842. Depuis, les 50 chevaux chiliens ont fait des petits. Coucou se souvient de Toto, son premier cheval. Le premier cheval il s'appelle Toto. J'ai à 11 ans à ce moment-là, j'ai capturé sur la montagne. Je l'ai dressé. Après, c'est pour faire la course, on a essayé de faire la course. Après, on a capturé la deuxième pour avoir les chevaux pour travailler. C'est pour ça qu'on a eu jusqu'à maintenant, il y a des chevaux pour travailler. Il y a les chevaux pour monter, pour la sasse. C'est comme ça qu'on fait.
La très faible circulation permet de passer sur le non-respect du stop. Une voiture croise un cheval, un cavalier salue un automobiliste. Les Marquisiens sont encore indécis sur le choix entre moteur à explosion et bête à quatre pattes. Coucou, lui, est sûr que rien ne pourra remplacer la maniabilité et la compagnie de son cheval. Pour Coucou, rien ne pourra jamais remplacer le plaisir d'une rencontre avec son petit-fils sur la plage. Voilà, c'est mon fils. Mon fils, petit-fils. C'est ses copains qui est à côté, là. Et pour le moment, il monte très très bien à cheval. C'est un peu comme moi. Il a commencé à 6 ans. À 6 ans, 5 ans par la montée à cheval. C'est moi, toujours avec moi à cheval, avec son grand-père. Les premiers chevaux que j'avais, ce sont des chevaux qu'on a dressés pour. Ça, c'est les bovins sauvages, les bœufs, sur le plateau, sur la tête des ailes. Tuer et descend ici au marqueur Taïwan. Après 3 heures de monte, il s'arrête quelques instants pour nous expliquer que le cheval qu'il recherche lui servira le lendemain pour une partie de chasse. Ici, on chasse les cochons sauvages à l'arme blanche. Ah, c'est pour préparer pour le lendemain matin, pour faire la chasse, 4 heures du matin, on va la chasse. Ah, cette chasse, c'est sacré. Tous les vendredis, comme ça, là, on est obligé d'aller à la chasse. Le matin, le vendredi, jusqu'à le soir, on s'arrête et on prépare pour le lendemain matin à 4 heures. On est sur la montagne à ce moment-là pour faire la sauce. C'est du sauce avec comme les Indiens ont fait, les chiens avec les couteaux, la sauce via les cochons, les chiens, les bœufs. On pique avec les couteaux, oui. Hein. C'est rare de trouver des fusils ici. Enfin, dans la vallée, le cheval tant recherché. Celui qui devait aider Coucou dans sa chasse aux cochons sauvages. Qui devait, car la chasse n'a pas eu lieu. Nous l'avons appris 2 jours plus tard. Le jour de notre visite, Coucou était souffrant, la datoie, une maladie transmise par des poissons et qui donne de terribles douleurs intestinales. Coucou ne nous a rien dit. Ici, gémir n'est pas de mise. Dans les jours qui ont suivi, Coucou s'est rétabli et, aux dernières nouvelles, il chevauche toujours aux côtés de son petit-fils. Nous quittons le groupe Nord et Nuku Iva pour le groupe Sud et Ivahoa, à 200 km de là. Sur Atuona, le chef-lieu, l'ombre de Jacques Brel plane toujours sur la cité. Partir loin du monde était sa volonté. Il y a vécu 3 années, parmi les plus belles, et il y repose pour l'éternité. Tout près de lui, celui qu'il surnommait Polo, et qui a lui aussi en son temps voulu fuir le monde. Le cimetière du Calvaire porte bien son nom. Un musée abrite une exposition permanente de Gauguin. Les œuvres sont uniquement des reproductions, autant de touches de couleurs qui rappellent l'amour que l'artiste a porté à Ivahoa. Il est d'ailleurs troublant que ces deux hommes, Brel et Gauguin, aient choisi de vivre leurs derniers instants sur la même île du bout du monde. L'amitié que portent les Marquisiens à Gauguin s'est traduite par la reproduction de la Maison du Jouir, l'endroit où il a donné vie à ses dernières œuvres.
Les Marquisiens sont des artistes, sculpteurs, dessinateurs. De tout temps, ils se sont servis de leurs arts pour communiquer. L'un de ces arts, essentiel pour l'équilibre de la société marquisienne, est le tatouage. Depuis les années 80, il est devenu une mode internationale. Ce matin, Maurice Kekela a rendez-vous avec Teiki Kaimuko, le tatoueur. Aujourd'hui, c'est une journée assez importante pour moi. Je vais me faire tatouer. Je vais voir mon copain qui s'appelle Teiki. Et aujourd'hui, je vais me faire tatouer comme il m'a déjà tatoué. Je voudrais continuer le tatouage. Le tatouage a été reconnu tout d'abord par un Allemand qui s'appelle Karl von den Steinen, qui était un ethnographe. Il est venu ici en 1897 et 1898 pour faire l'étude sur les techniques de tatouage aux Marquises. Alors, il a prouvé que c'était un des meilleurs tatoueurs se trouvait aux Marquises. Le tatouage a été interdit parce qu'au cours d'une cérémonie, il se trouvait sur un tohua, qui est une place communautaire. On faisait des tatouages aux jeunes. Pour, avant de se tatouer, ils devaient se circoncire, pour les jeunes de 8 à 12 ans. Ensuite, ils devaient se tatouer pour prouver qu'il appartenait au monde Enata, c'est-à-dire aux Marquisiens. Et c'est surtout après, à la fin de la cérémonie, un sacrifice humain a été fait. C'est pour ça que les missionnaires ont surtout détruit le tatouage aux Marquises. Cao. Médaille. Autrefois, le Marquisien ne savait pas écrire. Pour transmettre le savoir, c'est-à-dire la mémoire, il dessinait et tatouait les gens. Ça permet de transmettre la mémoire et aussi pour montrer que l'art marquisien était vraiment un art où on peut avoir beaucoup de choses à connaître sur la culture des Marquisiens. Aujourd'hui, c'est esthétique parce que toute la Polynésie maintenant se fait se tatouer. Comme c'est à la mode aujourd'hui, c'est surtout pour plaire aux gens, pour séduire. Voilà. Plus on se tatoue, plus il y a de filles. J'utilise l'encre de Chine, qui est l'encre moderne. Autrefois, on utilisait la noix de Bancoul. C'est une noix qui se trouve partout, un peu partout dans la nature. On la faisait chauffer. Ensuite, on récupérait la suie et on mélangeait avec de l'eau, ça faisait de l'encre à tatouage. Un tatouage se fait toujours en plusieurs fois, jamais en une fois. Parce que faut savoir qu'à un certain moment donné, on ne supporte plus la douleur, quoi. On arrête. C'est petit à petit. Et à chaque fois, le tatouage grandit. Voilà, j'ai mon tatouage terminé. Satisfait, oui. Ça me fait encore plus de motifs sur mon bras. Ça décore un peu plus le tatouage, quoi. Aux Marquises, peut-être plus qu'ailleurs en Polynésie, les tatouages jouent encore leur rôle social. Selon les choix de chacun, toutes les parties du corps peuvent être tatouées. Une chose est certaine, les jeunes générations ne s'en privent pas. Loin des circuits touristiques et des visiteurs à la petite semaine, les Marquises sont des bouts d'humanité où la vie s'écoule encore au rythme de la nature. Fasse que le chemin pour y parvenir soit encore long. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Veux-tu
que je te dise, gémir n'est pas de mise. Aux marquises.